Bonjour les amis, Jumu'a Mubaraka, inch'Allah tkounou bkhir wa ala khair. Alors, liom djoubtilkom la recette d'un pain, un super pain moelleux et brioché. Il djou msi cette année d'ailleurs, tombe déjà sur YouTube, ou habit n'aoutilkom une deuxième vidéo plus rapide à l'intérieur de YouTube, parce que c'était les débuts d'yavli. Alors, anahna, j'ai doublé les quantités, parce que nous avons une quantité kbira. Ntouma, qsmou ala zouj pour une petite quantité. Andana hna ya 300 grammes d'eau tiède. 300 غرام ماء دافي 300 غرام حليب دافي 300 غرام زيت 300 غرام دويل voilà. نزيدو لهم 2 كويارا سوب تاع لا لوفور بولونجير زوج مغارف تاع تاع الماكلة تاع التخميرة تاع الخبز وزوج مغارف تاع سكر un mec là, parce que il y a un soupe de sucre. On va faire les mélanges pour avoir la mélange. Voilà. Nous allons deux blancs d'œufs. Alors, qui dit le tarif à normal, dit la moitié. Ça fait un blanc d'œuf. Ou un fait voyage de bail. Voilà. Il faut le tomber. Le pain sémite. La différence avec le pain turc, le pain sémite, c'est que le pain sémite fait le pekmex. Les rois, tandis que je n'ai pas. Donc voilà, on a 2 cuillères à café de café. Donc voilà. Donc une cuillère, 500 grammes de farine. Là, je vais utiliser 1 kilo. Voilà, c'est ma nature de coco. Alors, je vais utiliser 1 kg de farine parce que comme j'ai doublé les quantités. D'habitude, on dit 500, mais les autres quantités, comme elles n'ont pas la demi-mesure. Alors, on va commencer, bismillah, on va mettre la farine. Bismillah, on va mettre la farine. Je vais utiliser le pétrin parce que juste une voici vite. Sinon, il y a très une recette très facile. Hein. Alors, avec le kilo de farine, les liquides diaoulés, on va vérifier la pâte ensemble. Elle est toujours collante. Donc, nous avons aussi de la farine. Ça veut dire plus d'un kilo. Donc, peut-être j'ai comme une bonne pâte, mais c'est collante, une pâte molle, non collante. Voilà, parce que la farine elle diffère de marque en marque et puis la qualité d'absorption elle est différente. Alors voilà, la pâte terna arahe wajda. Voilà, comme tu vois. نخلوها دوكا نغطوها ونخلوها تخمر من 20 دو مينوت نخلوها تخمر 20 دقيقة. الو هاي لك لاباط كاش تجي هنا هاي لك لاباط اديان. alors les amis la pâte tana a bien reposé donc voilà. جازو لي 20 مينوت تاعها اون فوالا ديغاز دي هكذا كيما راكم تشوفوا فوالا. alors j'ai oublié de vous dire بلي دهنت لو بول تاعي شويه بالزيت دونك فوالا اون ديغاز كيما راكم تشوفوا اي اون فا كومونسي لو فاسوناج ديالنا. Alors, je vais peser des boules de 100 grammes. Mais j'ai donné Kamel à bar wahed. Voilà, 200 grammes. Voilà, je vais en mettre. Je m'enroule. Et je continue. Non, non, c'est pas. وهي رايحة.
Alors, qui m'a raconté tout faux? On a façonné les boules tawana. Chaque boule fait 100 grammes. J'ai obtenu 22 boules. Là, il barrique. Donc, nous faisons le bise d'hier. Voilà. On bien. J'espère je vais juste arranger. Je suis bon. Alors, non. Bon, on va fariner le plan terrain. Hello. J'ai beau du beurre. Le beurre il va permettre de faire un feuilletage. Le pain brioché. On fait comme ça. Une journée, nous bdaou, nous barmons. Voilà, qui m'a raconté que vous n'avez pas une journée, on va souder le. Voilà, on obtient un boudin. La couture ternant, elle est bien soudée. Voilà. Voilà. Une journée, nous le voyons. Voilà, qui m'a raconté que vous fiez à l'endroit. Tresser. J'ai tressé plutôt, faire torsade. Bonjour. Non. Voilà. Donc, nous sommes qui fait que l'art, terme si à ça, et dire comme. Voilà. Non, je ne l'ai pas bien fermé. Ça. Voilà. On va juste bien fermer. Alors, on refait une autre brioche. Là, notre pain brioché. Légèrement. Voilà. On enroule avec notre job. Chez Jonah, des auréoles. Fait. Alors, ben, ma kmelna le façonnage تاع لي خبيزات تاعنا انا نجيب لي جون دوف ندير فيهم شويه ديال البلساميك باسكو انا نحبهم يكونوا بزاف حمورة محمرين الملح اللي حبي يدير القهوة يدير اللي حبي يواسي الحليب يواسي الوغ اون فا باديجوني الخبيزات تاعنا بالجون دوف بسم الله نديرو فوقهم لو سيزام الجلجلان واللي حبي يواسي حاجة واحدة أخرى يواسي جوغ سي ا فوطخ شوا فوطخ غو شوفوا يا اللي درتهم من قبل دركا راهم تخبزوا زادوا خمروا دونك فوالا نزيدوا الجلجلان من الفوق انا نحبهم معمرين بالجلجلان فوالا on va les enfourner à 200 degrés. Bitin d'Araba. Pendant 20 minutes, 25 minutes, nous chaufferons le tableau, bien sûr, mais un coup.